Oui. Faire une intro sur le générique de Star Trek à la bouche, c'est très très compliqué. Mais bon, on ferait n'importe quoi pour échapper au Robocon, vous le savez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Gamoski. Il est 19h et nous allons découvrir un jeu. Et attention, aujourd'hui, pas n'importe lequel. Si j'ai pris la peine de vous faire une intro en musique si parfaite, c'est que effectivement, on va enfin toucher du bout du doigt la licence Star Trek dans un shmup. Oui. Et là, je vois les vrais Trekkies tout au fond. Oui, il en reste encore de ces gens qui s'habillent en colon en 2018. Eh bien, je les vois au fond qui se dandinent dans leur jogging et qui font « Oui, je sais, il est trop bien, vas-y, fais-le voir. » Et ils croient que je vais faire voir celui-là de jeu. Et pas du tout. Mais non, pas du tout. Parce que celui-là de jeu Star Trek, à la limite, il est potable. Moi, je vais vous faire voir un sinistre projet qui date des débuts de 1980, qui n'est pas exactement daté, mais on lui donne une date qui serait 80 ou 81 au plus tard. Et il porte bien son âge, son pépère. C'est ce qu'on va regarder tout de suite parce que je crois que ça va se passer de commentaires. Donc nous sommes dans Star Trek. Le jeu. Je vois deux Trekkies au fond dans la salle qui ont fait un malaise là. Quelqu'un pour aller voir quand même? C'est bizarre. Alors, que se passe-t-il quand on réunit Space Invader et Centipede? C'est ça? On a Star Trek le jeu, quoi. Non, vous n'allez pas pouvoir les ranimer, les deux Trekkies, là. Évacuer la salle, c'est pas possible. C'est un vrai jeu, Star Trek. On reconnaît très bien l'Enterprise à ses formes arrondies IOS. Et ces deux réacteurs protubérants à l'arrière. On reconnaît bien les aliens d'ailleurs qui viennent de pas très loin, hein, on pense. Donc nous sommes bien d'accord, il faut que je fasse 5 minutes de stream sur ce titre et c'est loin d'être gagné, moi je vous le dis, mes amis. Ah, je peux accélérer, bordel. Mais quand je tire, ça accélère en fait. En fait, faut éviter les flocons et faut flinguer les petits cons. Et comme par hasard, les petits cons, ils ont des flocons qui gravitent pile autour d'eux. Ce jeu est d'une connerie. Je ferai jamais 5 minutes là-dessus, c'est pas possible. Infirmière. Oui. Donne-moi n'importe quoi. Non. Ça se boit? Ah oui, je savais pas. Fais voir. Ah bonjour. C'est presque bon. On refait une partie donc. Tourne. Mais putain qu'il est con. Savez quoi? Je vais faire que me déplacer dans ce labyrinthe sans flinguer personne. Voilà. 5 minutes, on va faire comme ça. Moi, je vous le dis. Il y a des jeux, tu ne peux pas, quoi. C'est pas des jeux. C'est quoi cette merde? Je vais tirer un peu quand même pour faire l'ambiance. Vu qu'on a les bruitages, ça serait bête de pas en profiter. Je suis même pas certain que celui-ci. Du coup, il a un petit boost, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Tu joues à quoi? Tu peux pas connaître, c'est un super jeu Star Trek. Ça a l'air bien, c'est quoi le but? Ben, tu vises le haut d'écran, une fois que t'es arrivé, au bon moment, pile au bon moment, tu repars dans l'autre sens. Et des fois, tu peux tirer rien. Ça a l'air bien. Tu me fais essayer? Non, c'est mon jeu. Non, mais sérieux, les gars. Ne me demandez plus jamais de vous refaire voir Star Trek. Et même l'autre jeu, si je mets la main dessus, je crois pas que je vais le streamer. Parce que c'est fini, je veux plus jamais voir une licence Star Trek dans The Big Game of Ski. C'est pas possible, quoi. Ces gens se foutent totalement de notre gueule. Où c'est qu'ils sont d'ailleurs? Je pense que je les ai dans un coin. Ils devraient être là. Bon, c'est pas grave.
Star Trek, si vous tombez sur ce titre, bah déjà vous avez de la chance parce qu'il est pas censé exister, quoi. Et si la borne marche, bah arrangez-vous pour avoir un petit bidon d'essence et un briquet. Parce que je vois pas d'autre chose qu'on puisse faire de ce tas de n'importe quoi. Donc oui, Star Trek, tu n'es même pas au grenier, tu es dans le jardin, enterré à côté des animaux de compagnie, quoi. Et encore, tu n'es pas de très bonne compagnie. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste et la playlist des shmups. Et pour rattraper les dégâts, je vous laisse un stream surprise. À demain 19h, avec un vrai jeu sans aucun problème. Ciao!